Ce soir, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour l'ouverture officielle du Téléthon 2010. Le Téléthon. Cet événement national est relayé depuis plusieurs années dans notre commune. Mais c'est depuis quelques années, je dirais 2 ans, qu'une réelle dynamique s'est mise en place. Soirée d'ouverture est également l'occasion pour moi-même de vous remercier toutes et tous pour votre engagement. Ce soir sur Blandec, c'est plus de 37 associations différentes qui participent au Téléthon sur 3 jours. Donc vendredi soir, aujourd'hui l'inauguration, samedi et dimanche. De nouvelles associations nous rejoignent chaque année. Il y a le côté sportif avec l'association ping-pong, le VTT, des randonnées, les coureurs aussi. Et toutes les associations se sont rejointes au-delà de tout clivage. Alors vous allez nous expliquer un peu ce soir, disons d'abord, qui vous êtes au point de vue associatif et aussi qu'est-ce qui se passe. On est les médaillés du travail, seule section de l'Audomarois qui augmente ses effectifs, c'est déjà un grand point. Et puis on fait notre maximum avec un bureau très 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 uni et pour essayer de faire de mieux en mieux. Voilà. Alors voilà. Et moi je suis vice-président des parents d'élèves, la LPE de Blandec, et en même temps je fais partie des médaillés du travail. Et donc je participe aussi à toutes les manifestations qui se passent sur Blandec. Voilà. Et ce soir, donc, une action pour le Téléthon. Pour le Téléthon, bien sûr, que nous allons renouveler dans une quinzaine de jours. Ouais, parce que là, si je comprends bien, ce n'est que le début. On va pas pleurer sur son sœur. Elle est là. Non, mais vous êtes bourrés, hein. Et qu'est-ce que vous faites à rentrer, sans que les sorties ne me passent sous. Non, mais vous n'êtes pas censé. Dites-moi, avant de remplacer et de lever votre tambour maman, vous travaillez. C'est l'archevêque de Paris. Et pourquoi avez-vous quitté ce Saint-Homme? Je suis athée. Vous savez, je vais vous regretter. Je vous dois beaucoup. C'est demain le dernier jour. Oui, après 25 années de bons services dans cet établissement. Vous me trompez, ça peut arriver à tout le monde. Alors, ça peut arriver à tout le monde, mais chez vous, c'est presque une envie de vous être expressé à la fin. Je vais balancer ça, évidemment. Discrètement, je ne vais quand même pas me fâcher avec mon meilleur ami. Mais enfin, c'est que ce décès d'aller pousser, il faudra bien que vous la fréquentiez. Ben, je peux l'avoir sans la regarder, l'entendre sans l'écouter. Oui, et puis l'écraser sans le piétiner, évidemment. Et ils ont planté 2 cafés. Oh, ben, au diable, la varice. Les courses de chevaux, à Longchamp, pas au champ. Oh, pardon, dans ce cirque, les chevaux couraient, toi aussi. Bon. Le fric que je glissais, le fric que je perdais. Ça me faisait mal au ventre pour moi.